J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un DIY tout rêveur, tout mignon que je vous propose, qui vous permet de bien rêver pendant vos nuits d'été. Et c'est vraiment un très très beau DIY et très facile à faire. So, let's get started. Vous aurez besoin d'une toile, de guirlandes LED, de peinture, d'un pinceau et d'un tournevis. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est tout simplement peindre votre toile. Alors pour moi, personnellement, j'ai fait un ciel bleu, une sorte de ciel un peu comme une sorte de coucher de soleil. Enfin, sauf que c'est pas trop un coucher de soleil. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Comme une nuit d'été, voilà, c'est ça. Comme une nuit d'été, un ciel bleu, voilà, avec vraiment pour rappeler vraiment le ciel étoilé, parce que c'est un peu le genre que je veux donner en fait, parce que grâce aux guirlandes en fait qui vont faire les étoiles, donc c'est un peu ce genre de choses que j'aimerais faire. Donc j'ai utilisé du bleu foncé et du bleu turquoise, on va dire, voilà, du bleu foncé, non, du bleu tout court et du bleu tout turquoise, voilà, et aussi un peu de blanc. Une fois que la peinture est sèche, en fait, j'ai fait une lune, voilà, pour vraiment faire apparaître en fait la nuit étoilée en fait. Donc j'ai fait une lune, mais c'est vraiment libre à vous si vous voulez en faire une ou si vous voulez faire autre chose. Vraiment, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Avec la lune, en fait, j'ai décidé aussi d'écrire un petit message. Alors, j'ai écrit Dream, voilà, le rêve. C'est voilà, c'est vraiment parfait de ce que je voulais donner en fait de cette toile illuminée. C'est vraiment le fait de rêver dans une nuit étoilée. C'est beau ce que je dis, non? Pour installer vos lumières, c'est très très simple. Il suffit tout simplement de trouer votre toile avec l'aide du tournevis et de mettre vos petits éclairages LED. Donc voilà, sur des enfoncés dans les trous. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bon. Et voilà ce que ça donne à la lumière du jour, mais c'est encore plus beau, vraiment. Quand c'est éteint, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment l'effet que je voulais. Voilà, une nuit étoilée. Donc voilà, j'espère que ce DIY vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.